Salut Nyambélé. Sois le bienvenu, Franja. Salut cher, comment vas-tu? Sois le bienvenu. Salut Divi, ça va bien? Écoutez, une fois n'est pas de coutume, je vais vous demander de partager le live parce qu'il paraît que c'est ce qu'il faut faire. Il paraît qu'il faut demander de partager pour accroître l'audience ou je sais pas quoi. On va souscrire à ces méthodes. Bon, vous savez ce que j'en pense, hein. Voilà, mais si vous me faites l'amitié de partager, j'apprécie. Alors, on va démarrer. Salut. Est-ce que Manu est dans la place? Je ne l'ai pas vu. Ok. Écoute, salut Manu. Mais si tu es dans la place, salam alaikum, quoi. Bien. Alors, merci à tous, hein. On termine la série, en fait, des trois lives qu'on avait consacrés à la géopolitique. La musique que vous entendez en sourdine, en fait, c'est Dust in the Wind de Kansas. Pour moi, cette musique est reliée à tellement de choses. Yeah, adieu. Merci, Divi. Salut, Manu. Ok. Pour moi, cette musique est liée à tellement de bons souvenirs, tellement de choses positives. Que quand j'ai appris le décès de George Floyd, en fait, c'est la première idée, le premier son qui m'est venu à l'idée. Vous savez, hein, George Floyd, c'est cet Afro-Américain qui est décédé sous les brutalités policières, en fait, de policiers blancs, il faut le dire, aux États-Unis. Et ça m'a fait penser que nous ne sommes finalement que de la poussière. On sort du carême, en fait, et c'est une période favorable pour se remémorer notre condition. Donc voilà, je voulais vous remercier et puis lui dédier à lui qui n'est plus parmi nous et à sa famille ce son-là. Voilà. Ok. Merci infiniment à vous tous qui êtes avec nous. Ah, salut, petit frère Bakayoko, comment vas-tu? Sois le bienvenu. Donc, alors, comme à l'accoutumée, hein, vous savez comment ça se passe ici. On commence par décerner quelques bonnets d'âne. Et ensuite, on décerne des docteurs honoris causa, quelques lauriers honoris causa à ceux dont nous estimons qu'ils l'ont mérité. Donc, alors, aujourd'hui, pour moi, celui que nous célébrons au-dessus de tout, je l'ai déjà dit, c'est George Floyd. Mais à côté de lui, je voulais célébrer la société civile, tous les manifestants de Minneapolis et la plupart d'entre vous qui avez partagé la douleur de la famille de George Floyd. Je voulais en fait vous décerner en fait un docteur honoris causa. Vous avez compris que quelque chose se passe. D'accord. Vous avez compris que quelque chose se passe et qu'il est important en fait de militer, de se remobiliser parce que le monstre a encore repris sa forme la plus hideuse et il recommence à faire de lourdes pertes dans nos rangs. Voilà, donc je voulais dire ça. Ensuite, le dernier élément auquel je voulais décerner un doctorat honoris causa, c'est Elon Musk.
Alors, Elon Musk, c'est cet entrepreneur absolument fantastique qui a réussi à faire dans des secteurs différents chaque fois une entreprise à 1 milliard de dollars. Chaque fois, il a réussi à faire ce qu'on appelle une licorne. Et dans l'entrepreneuriat, je crois que ça n'arrive quasiment jamais. D'abord, faire une entreprise qui est valorisée à 1 milliard de dollars, ça arrive une fois dans la vie. Alors, le faire 3 fois, on ne savait même pas que c'était possible. Je vous rappelle que Elon Musk, c'est lui qui a construit PayPal. PayPal qui est devenu aujourd'hui un. Et c'est ça qui est particulier, c'est que chaque fois qu'il s'est attaqué à une industrie, il l'a totalement disruptée. PayPal, en fait, c'est le premier porte-monnaie effectivement électronique qui soit simplement pour lequel il vous suffit juste d'avoir une adresse email, une adresse électronique. Et bon, ça a été revendu à grands frais. Et c'est ce qu'il a obtenu de cette première société-là qu'il a réinvesti dans Solar Tesla, la voiture totalement solaire, qui est en train d'être, qui est en passe de devenir un succès majeur, voiture solaire Tesla. Et enfin, le dernier succès, c'est SpaceX. Alors, je rappelle souvent dans les cours d'entrepreneuriat que je donne à l'université, en fait, que quand SpaceX démarrait, la mission de SpaceX, c'était coloniser la planète Mars. C'était ça son slogan. Et coloniser la planète Mars, en fait, quand il le disait, les gens le prenaient pour un fou. Aujourd'hui, il a fait 2 choses avec SpaceX, et c'est la raison pour laquelle je souhaite le célébrer ici. Il a réussi, en fait, à lancer une nouvelle capsule spatiale, SpaceX, en fait. Or, avant ça, la NASA était obligée de partir avec comment s'appelle, les cosmonautes, en fait, de l'ex-URSS, hein, de la Russie, de la Fédération de Russie. Et ça leur coûtait 80 millions de dollars la place. SpaceX y est arrivé, lui, et il y est arrivé à un coût. Il dit qu'il vend la place à 60 millions de dollars. Ce qui, évidemment, parce que, bon, il est parti hier et il est arrivé aujourd'hui sans encombre, hein, à la Station spatiale internationale après un vol de 19 heures. Donc, franchement, c'est une énorme réussite. Et je voulais saisir cette occasion donc avec vous, si vous en êtes d'accord, pour le célébrer. Alors évidemment, ça relance la compétition entre la Russie et les États-Unis, parce que cette réussite de SpaceX va créer un trou, un manque à gagner chez au niveau donc de chez les Russes en fait, qui eux maintenant, si d'aventure les gens passaient par SpaceX, perdraient environ 200 millions de dollars. Sur chaque voyage. Je rappelle que ça coûte environ 1 milliard d'euros, ce voyage-là, et que ça fonctionne plutôt bien pour les Russes. Yes. Non, en fait, Elon Musk, non, il n'est pas américain, il est sud-africain, en fait. Il est sud-africain et c'est aux États-Unis. Alors, bon, évidemment. Est-ce qu'il est américain? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il est américain, mais sa nationalité d'origine, c'est sud-africain. OK? Elon Musk, donc, est sud-africain. Et donc, de ce point de vue-là, il est plus proche de nous que des Américains ou des Canadiens. OK? Alors, donc, petite mise à jour avant de démarrer, hein, sur l'affaire du The Lancet contre Didier Raoult. Vous avez certainement, et pour moi, c'est suite, mais c'est même pas fin. Hein. C'est pas fin. Il y a un groupe de 180 scientifiques du monde entier, dont des chercheurs et des statisticiens. Dedans d'ailleurs, ils ont fait une lettre ouverte en fait au Lancet. Il y a 17 Africains dedans d'ailleurs qui ont co-signé cette lettre ouverte-là. Et le sujet de cette lettre en fait, c'était de parler de la récente étude qui a été publiée le 22 mai. Je sais que vous l'avez tous suivi avec intérêt. Le Lancet a publié en fait une étude qui considérait en fait que l'hydroxychloroquine était responsable ou en tout cas était un des facteurs qui participait à un taux de mortalité très élevé pour les patients du Covid-19. Et donc ces chercheurs-là ont soulevé en fait un certain nombre de problèmes en appelant The Lancet qui est
le site web de recherche médicale de référence, probablement le plus prestigieux au monde, hein. Il a peut-être une soixantaine d'années. Et donc, ils l'ont appelé, ils ont appelé le rédacteur en chef, en fait, Richard Horton, en lui demandant de bien vouloir donner un certain nombre de réponses sur des points précis. Le premier point, en fait, sur lequel ils attendent des réponses, parce que c'est un point qui remet en cause considérablement la qualité scientifique du travail qu'ils ont produit, c'est l'étude, en fait, c'est la base de données. La base de données qui a été utilisée. Salut Jean-Christophe, sois le bienvenu. La base de données qui a été utilisée, en fait, s'appuie sur. Elle dit, en fait, que c'est un dossier. Elle a 96 000 dossiers médicaux sur 671 hôpitaux sur les 6 continents. Alors, petit problème, c'est que la base de données en question n'est accessible que par Surgisphere. Surgisphere, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Surgisphere, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Il s'agit en fait d'une entreprise qui est prétendument spécialisée dans le big data, mais on y reviendra, qui ne donne pas le nom des hôpitaux impliqués dans l'étude. Oui? Alors ensuite, le deuxième grief qui est fait à cette étude-là, c'est qu'elle compile les données par continent et non pays par pays. Et c'est ce que leur suggèrent justement les auteurs de la lettre ouverte, en fait. Ils ont relevé, eux, plusieurs erreurs. Par exemple, les données de Surgisphere, pour le cas de l'Australie, ils ont trouvé 73 décès en Australie au 21 avril, alors que l'université Johns Hopkins, qui suit les cas de COVID-19 et les décès depuis le début de l'épidémie, n'en comptait que 67 à la même période. Donc, ils avaient plus de morts que l'université Johns Hopkins. Et donc, sous le feu des critiques, les auteurs en fait de l'étude se sont ravisés. Ils ont reconnu qu'ils avaient fait une erreur de big data, selon eux, sur les données australiennes. Mais ils continuent de défendre l'idée que leur travail demeure valable, en tout cas scientifiquement pertinent, en dépit de cette erreur-là. Mais ce n'est pas la seule, parce que on a parlé la semaine dernière, et je pense que vous vous en souvenez. Salut Pi, sois le bienvenu. Salut Alassane, sois le bienvenu Frangin. Ce problème-là, il y a de vrais problèmes de méthodologie, mais il y avait aussi des problèmes de conflit d'intérêts. Alors, c'était d'abord des liens d'intérêts qui avaient été montrés, notamment avec les 4 auteurs, qui tous ont été à un moment ou à un autre, comment on va dire, rémunérés, salariés par Gilead. Gilead, qui est aujourd'hui le promoteur du traitement Remdesivir, en fait, qui est le traitement justement dont le chef de projet de cette étude-là, l'Indien en fait, Mehra, a justement, les tests du Remdesivir ont été faits au Harvard Medical Hospital de Boston, je pense que c'est Brigham de Boston. Et dans cet hôpital-là, le chef du service cardiologie, c'est le chef de cette étude-là. Donc, si ça, ce n'est pas un lien d'intérêt, je ne sais pas ce que c'est. Et donc, les auteurs de cette étude-là, et pourquoi j'en parle? Salut, Yeta. Alors, pourquoi je parle des auteurs de cette étude-là? C'est parce que le problème, en fait, c'est que c'est sur cette base-là de cette étude que l'OMS, et pour le cas de la France, parce que je pense que la France est le seul pays au monde, à ma connaissance, le seul pays au monde qui ait suivi cette étude-là et qui ait pris appui dessus pour décider de suspendre les essais les tests, les essais cliniques en cours sur l'hydroxychloroquine, et pour le cas de la France, pour interdire la prescription de l'hydroxychloroquine. Donc, on a un vrai sujet là. Et pour moi, c'est cette question-là du The Lancet. On est face à un cas, un scandale majeur. Qui permet de confronter en fait l'industrie pharmaceutique à la médecine. Je rappelle que la médecine pharmaceutique, enfin l'industrie pharmaceutique sert la médecine en ce qu'elle lui fournit les éléments pour pouvoir remplir le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, c'est ce serment que tous les médecins prêtent justement au moment de s'engager en médecine sur le fait qu'ils traiteront les patients. Qu'ils ne donneront pas la mort, qu'ils se battront en tout cas pour leurs patients et qu'ils les traiteront indépendamment de leurs conditions
sociale, financière, physique, etc. Ils traiteront justement pour que la vie puisse triompher. Et donc, de ce point de vue-là, c'est les pharmaciens qui le permettent. Or, depuis quelque temps, on assiste à une vraie, comment on va dire, opposition entre l'industrie pharmaceutique, dont les trafics d'influence et les manœuvres, en fait, pour obtenir qu'un médicament soit autorisé, sont tellement énormes, tellement malhonnêtes, tellement douteuses, tellement violentes parfois. Et l'histoire hein, de l'humanité, vous avez entendu parler du sang contaminé, vous avez entendu parler d'énormément de médicaments qui ont occupé les tribunaux en Europe et en Amérique, justement sur ces questions-là. Alors, le scientifique en chef, justement, de l'OMS, qui s'appelle Soumya Swaminathan, qui avait validé cette étude, alors tout le monde se demande aujourd'hui, en fait, s'il va refaire une nouvelle conférence de presse à la lumière des éclairages nouveaux que les scientifiques ont apportés pour revenir sur cette décision-là, qui a été, il faut le dire, hein, prise sur des bases particulièrement hâtives. Voilà. Donc, je voulais faire cette petite mise à jour-là. Parce que je sais que vous êtes nombreux à suivre ce live et à considérer que Didier Raoult est un héros. Et donc je voulais aussi partager avec vous cette bonne nouvelle, parce que c'est une nouvelle qui... Et en plus, il y a quelque chose qui tient de la main de Dieu. C'est totalement irrationnel, hein, mais je veux le partager avec vous, parce que je considère en fait que il y a une vraie leçon dans cette affaire-là. C'est que le lobby pharmaceutique est tellement habitué à ce que ces manœuvres, ces pratiques passent, qu'à un moment donné, ils ne sont plus vigilants et ils font des erreurs. Et donc là, ça, de mon point de vue, ça rentre dans les erreurs de, comment on va dire, ils nous ont un peu sous-estimés. Ils ont un peu sous-estimés. Et puis, c'était avant les réseaux sociaux. Parce que s'il y a une chose qui particularise le Covid, c'est que c'est la première crise sanitaire qui se déroule à un moment où les réseaux sociaux cumulent environ presque toute l'humanité est présente sur les réseaux sociaux. Parce que sans les réseaux sociaux, et c'est ce que le professeur Didier Raoult disait aux journalistes, en fait, donc à la chaîne, alors j'ai oublié si c'est LCI, donc où il parlait avec David Pujadas, et lui expliquait en fait qu'aujourd'hui, il n'a plus besoin en fait des médias traditionnels. Or, dans les crises sanitaires habituelles, qu'est-ce qui se passe en fait? L'industrie pharmaceutique, parce qu'elle est aussi un grand fournisseur de publicité et donc un financier majeur donc, de la télévision et des médias mainstream tels qu'on les connaît avant, il y a donc des collusions. Ce qui fait que tant que les médias mainstream étaient forts, l'industrie pharmaceutique pouvait continuer ses menées. Vous avez vu d'ailleurs ce que tous les médias mainstream, pas seulement d'ailleurs... en France, mais dans tous les pays, aux États-Unis et ailleurs, ont essayé en tout cas de faire pour contrôler l'information. Et vous avez vu la vigueur de la réaction des réseaux sociaux, notamment où justement n'importe qui, vous ou moi, pouvons parler à des gens et leur donner notre point de vue sur des questions qui se passent. Voilà. Donc la deuxième leçon, à mon avis, de cette crise-là, c'est que les réseaux sociaux sont un nouvel endroit de conquête de liberté, de droits civiques et de démocratie. Et par contre, il faut être attentif parce que le monstre n'est pas mort. Ils ont bien compris ce qui se joue et ils vont trouver un moyen de le fermer. Par exemple, YouTube, pour ceux qui sont sur YouTube, vous le savez, de plus en plus, YouTube censure des vidéos qu'il supprime après qu'elles aient atteint un certain nombre de vues. Taxe de complotisme certaines choses, même quand des avocats prennent la parole au nom du principe constitutionnel de la liberté de parole, qui est consacré pour tout le monde, mais qui est encore plus sainte, sacro-sainte pour les avocats, ils se permettent de les remettre en cause. Donc, il ne faut pas vous y tromper, cette liberté-là, acquise de fraîche lutte, elle devra être, comment on va dire, elle devra faire l'objet de lutte pour pouvoir la maintenir. Voilà. Donc, ceci étant dit, le dernier point donc de notre rendez-vous dominical, c'est la géopolitique donc
et l'Afrique dans tout ça. Voilà, c'est ça le thème, et je l'ai posé sous une forme interrogative à dessein. Salut Udo, ça va bien? Nanou, sois le bienvenu. Ali Tangara, sois le bienvenu. Jean-Christophe, tu as tout à fait raison, c'est le lobby le plus puissant au monde. C'est aussi simple que ça. Je pense que même le lobby de la drogue, il y a des choses qu'ils ne font pas. Aussi avec une certaine... Alors j'avais expliqué dans le live de mercredi, je crois, les liens d'intérêt que les grandes industries pharmaceutiques et les fonds d'investissement qui sont derrière eux, The Vanguard Group par exemple, au nombre de ceux-ci, Capital Research Group, tous ces grands groupes d'investissement-là qui sont présents au capital des grandes entreprises françaises et d'autres multinationales, comment ils utilisent cette présence-là dans le capital de grandes entreprises pour modifier le rapport de force. Voilà. Alors, je voulais parler de l'Afrique dans tout ça parce que c'est sûr que si la propagation du virus n'a pas encore frappé les pays africains de plein fouet, ce qui est sûr, c'est que ses effets se font déjà sentir, économiques, hein, s'entend. De nombreux pays africains dépendent en fait des produits de base et de leurs échanges commerciaux avec le reste du monde. Les premières évaluations du FMI sont claires. La pandémie a évidemment touché l'économie mondiale dans sa globalité et on s'attend à une récession. Il y a un ralentissement de la croissance mondiale. D'ailleurs, elle est prévue pour être négative, notamment pour la demande de produits de base africains. Je veux parler du pétrole, des minéraux, du cacao et du café. Mais ce n'est pas ça le plus grave de mon point de vue, parce que c'est vrai que c'est grave et ça va jouer sur la balance des paiements. Simplement, ce qui a, enfin, de mon point de vue, ce qui est le plus grave socialement, c'est la baisse des envois de fonds. Et la baisse des envois de fonds, vous le savez bien, c'est parce que dans les pays où nos compatriotes de la diaspora se situent, ils sont le plus souvent dans des situations économiques précaires. Et quand l'économie ralentit ou s'arrête, ce sont eux qui payent le contre-coup le plus élevé. On en a parlé lors du live de dimanche, en fait, quand on regardait, allez regarder sur les autres vidéos hein, qui ont précédé, justement, où nous parlions en fait des raisons pour lesquelles les Africains-Américains sont ceux qui payent le plus lourd tribut dans les pays du Nord, notamment aux États-Unis, à cette crise-là. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont en passe d'être dépassés par l'Amérique latine, puisque le Brésil, je pense le Brésil, a dépassé les États-Unis en termes de nombre de morts en un jour, et la France, il n'y a pas longtemps, et l'Espagne aussi. Donc le Brésil, en fait, c'est le nouvel épicentre du coronavirus mondial. Et ça, quand vous le mettez en rapport avec Jair Bolsonaro, le président brésilien, qui, comme Trump, est un populiste en fait, et qui a commencé par nier d'abord la consistance de l'épidémie, a nié ses modes de transmission, s'est montré en public sans masque, et s'est même payé, figurez-vous, des bains de foule à un moment donné. Okay? Bon, je referme la parenthèse ici. La deuxième chose par rapport au commerce intra-africain, c'est qu'il est très faible. Les pays africains, en fait, n'ont pas vraiment beaucoup de relations commerciales entre eux si on le compare à d'autres régions. Par exemple, si je prends l'exemple de 2018, c'est les chiffres les plus récents que j'ai trouvés, 15% des exportations totales de l'Afrique étaient destinées, 15% seulement, étaient destinées à d'autres pays africains. Alors évidemment, ce chiffre-là n'inclut pas le commerce transfrontalier informel. Alors quand je parle de commerce transfrontalier informel, c'est par exemple les produits en fait qui viennent du Mali et qui sont vendus au Sénégal, les produits qui viennent du Sénégal sont vendus en Guinée ou qui viennent de Guinée qui sont vendus en Côte d'Ivoire. Ce commerce transfrontalier-là et les chiffres qui lui sont associés n'apparaissent pas parce qu'ils font souvent l'objet ou de sous-déclarations ou d'absence de déclarations quand ce n'est pas l'objet de déclarations totalement fausses. Voilà. Donc, ce commerce informel-là est le premier de toute façon à avoir payé un lourd prix, un prix assez élevé à cette pandémie-là. Ah, salut shérif, sois le bienvenu mon frère. Ok. Alors j'espère aussi qu'il aura le temps de suivre. N'hésite pas à le taguer et puis à me poser la question hein, de manière formelle
du débat que vous aviez avec, avec ton beau-frère. OK? Salut, Tcha-tcha, sois le bienvenu, mon frère. Oui, c'est une dévaluation déguisée de notre économie qui est toujours arrimée à la France. On va en parler, on va en parler. Jeannot et Liliane, monsieur et madame Colli, soyez les bienvenus. Je vous remercie d'être là. Merci beaucoup. Ousmane Maricot, merci infiniment. Merci beaucoup pour ta présence. Donc, alors ça, c'était le premier sujet, c'est le commerce intra-africain. Et ensuite, donc, dans ce commerce transfrontalier informel, il varie beaucoup selon qu'on est dans l'Afrique au sud du Sahara ou tout à fait de l'autre côté du continent. Si je prends les produits agricoles, par exemple, le maïs ou le riz, ça fait souvent l'objet d'échanges commerciaux, ce qui en fait un secteur assez important pour la sécurité alimentaire. Et puis, la plupart des commerçants informels sont des femmes. Ça, c'est important, hein. Plus de la moitié en Afrique occidentale et centrale, et jusqu'à 70% en Afrique australe, si on en croit les chiffres que donne la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Alors, bien qu'une part importante de ce commerce transfrontalier informel ne passe pas toujours par les postes frontières, il y a quand même le fait que les restrictions frontalières et autres sur la circulation des personnes ont eu quand même un impact non négligeable. Alors, de ce point de vue-là, quand on parle de la géopolitique africaine, on ne peut pas ne pas parler de la ZLECA. Vous en avez tous entendu parler, c'est la zone de libre-échange africaine, commerciale, notamment africaine. Alors, de quoi il s'agit? C'est la plus grande zone de libre-échange au monde qui sont en cours de construction. Et cette zone de libre-échange-là, elle est en cours de construction où? Elle est en cours de construction en Afrique. Alors, j'entends bien, hein, et j'ai entendu des amis dont j'estime particulièrement les vues s'ériger contre la zone de libre-échange. J'en suis, moi, un des défenseurs. J'en suis un des défenseurs parce que j'entends bien, hein, les critiques qui sont faites, mais parlons d'abord de ce que c'est, et ensuite on parlera des critiques pour ne pas influencer votre jugement. Aujourd'hui, le Sénégal, la Mauritanie, le Mali, notamment, mais aussi la Namibie, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe sont des pays qui ont signé l'accord, mais qui l'ont aussi ratifié. C'est-à-dire qu'ils l'ont fait rentrer dans leur corpus juridique national. À côté, vous avez les pays signataires, mais qui n'ont pas encore ratifié. Et puis, dans tous ces pays-là, il y a un seul pays qui ne soit pas signataire, c'est l'Érythrée à ce jour. L'Érythrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'il s'agit de faire tomber les barrières douanières et non tarifaires pour permettre en fait à l'Afrique d'être un véritable marché et de permettre à l'Afrique en fait de se réindustrialiser en commerçant entre eux. La question en fait du libre-échange revient. Okay. Alors, pourquoi l'Afrique ne développe pas l'agriculture? Il n'y a pas que le café et le cacao. Et récemment, j'ai vu un Sénégalais faire pousser des fraises. Il faut du soleil et de l'eau, c'est tout. C'est tout à fait exact, Jean-Christophe. Tu as tout à fait raison. Et je te confirme d'ailleurs que c'est l'un des points d'ailleurs. Les gens ne font pas suffisamment d'agriculture de mon point de vue. Le premier problème, c'est la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau. Et le deuxième problème, c'est la maîtrise de l'énergie. Mais quand on a un réseau hydrographique aussi dense, quand on a du soleil, on ne peut pas dire qu'on a un problème de maîtrise d'eau et de soleil. Il y a par contre une absence de volonté et l'État doit créer des zones de type Office du Niger. Alors pour ceux qui suivent un peu l'actualité au Mali notamment, l'Office du Niger que connaît très bien mon ami Chérif Haït, qui est un spécialiste en agribusiness, c'est des carrés immergés en fait. Dans l'Office du Niger en fait, l'État du Mali a créé des carrés et elle a mis ces carrés-là en maîtrise irrigation complète. Ce qui fait que dans ces zones-là, elle loue des carrés, des hectares en fait de terre, et celui qui veut faire pousser des choses n'a plus qu'à y venir. Et après, il n'a plus qu'à investir dans ces zones-là. De mon point de vue, il faut créer de plus en plus de zones où les questions de la maîtrise de l'eau et de l'énergie sont déjà réglées. Pi a appelé cette partie-là mon excellent cousin
spécialiste de BTP, mais avec une formation financière à la base, a rappelé en fait que ce qu'il faudrait en fait, c'est des incubateurs. Il faudrait faire des incubateurs énormissimes pour pouvoir susciter ce type de stratégie-là. D'ailleurs, il y a mon ami Cheikh Haïdara qui n'est pas là. Quand j'étais à Madagascar, j'ai vu effectivement ce type d'initiative avec de grandes zones de terre, justement dédiées à l'agriculture et subventionnées par l'État malgache. Voilà. Donc, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est une question qu'il faut que nous mettions à l'ordre du jour. Salut Espérance, sois la bienvenue, ma sœur. Ayan, sois la bienvenue. Non, tu n'es pas en retard du tout. Je te remercie beaucoup. Salut Gilbert. Salut, salut. Alors, je vais vous demander aujourd'hui, à titre exceptionnel, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, de bien vouloir partager le live. On m'a dit que je ne le fais jamais et que c'est ce qu'il faut faire. Bon, comme je n'ai pas encore les réflexes, je les prends en chemin. N'hésitez pas à partager ou à taguer des gens dont vous pensez que les sujets en question ici peuvent être des sujets intéressants pour eux. Voilà, c'est ça. Effectivement, à un moment, on entendait beaucoup parler de la zone de libre-échange commercial entre pays africains. Alors, est-ce que les États ont commencé à le ratifier? Oui. Alors, il y a plus de la moitié des pays africains qui l'ont ratifié. Tous les pays africains l'ont signé, à l'exception de l'Érythrée. Donc, très clairement, oui, absolument. Donc, effectivement, je pense qu'on est en train de monter de plus en plus. Sois le bienvenu, Gilbert. Sois le bienvenu, Frangin. Le sujet, en fait, c'est que le Covid-19 a mis un coup d'arrêt à la zone économique de libre-échange. Parce que les États membres ont signé, en fait, depuis janvier 2012, en fait, ont convenu de mettre en place, en fait, cette zone de libre-échange continentale africaine. Et les négociations ont débuté, effectivement, en 2015. Mais depuis lors, ils ont fait des progrès assez impressionnants. Il y a plein de négociations, en fait, qui sont en cours sur les concessions tarifaires et ce qu'on appelle les règles d'origine. Okay? Donc, elles sont essentielles pour une zone de libre-échange. Donc, c'est vraiment faire tomber les barrières non tarifaires et les barrières douanières, c'est le plus important. Pour ce qui concerne le commerce des services, en fait, il y a des négociations d'engagement sectoriel pour cinq secteurs prioritaires. Donc, les finances, la communication, les transports, les services aux entreprises et le tourisme. Donc, c'est cinq secteurs-là, les négociations là-dessus sont toujours en cours. Et le premier secrétaire général de la ZLEC. Ah, génial, génial, Pi. Ah, franchement, j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est mon cousin qui me dit en fait qu'il a téléchargé Facebook pour me suivre. Et c'est une marque d'amitié et d'affection qui me touche beaucoup. Merci infiniment. Parce qu'il est fondamentalement contre Facebook et j'apprécie. Oui, alors pourquoi importer des fruits et légumes qui pourraient être cultivés sur place, créer des emplois et limiter les intermédiaires? Tu sais, Jean-Christophe, moi je suis tellement d'accord avec ça. Et de plus en plus, j'ai vu d'ailleurs une initiative, mais c'est peut-être Manu. Manu Diop, si tu nous suis, parce que je sais que tu as été dans l'entrepreneuriat beaucoup à un moment donné, une start-up en fait qui fait des fraises au Sénégal. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais si tu peux me mettre en commentaire son nom, j'apprécierais beaucoup, Manu Diop. Maître Étienne, ah, je remercie Maître Étienne d'être là. Maître John, soyez le bienvenu. Aucun souci, vraiment, vous êtes le bienvenu, Maître. Donc, le premier secrétaire général du secrétariat de la ZLEC, Wamkele Mene, a prêté serment le 19 mars. Et le comité du commerce des marchandises s'était réuni en mars également. Mais toutes les réunions depuis lors et les négociations étaient suspendues en raison des restrictions de voyage et toutes les autres restrictions liées au confinement et à la crise sanitaire en fait. Donc, on peut espérer que les négociations et tous les autres processus passeront également sur des plateformes numériques telles que Zoom, etc., pour ne pas perdre l'enthousiasme actuel. Alors, il y a des préparatifs qui sont actuellement en chemin. Le commerce, notamment sous le régime de la ZLEC, devrait commencer normalement le 1er janvier 2020, mais il a été reporté. Cette date a été reportée au 1er janvier 2021 pour des raisons évidentes liées à la crise sanitaire. Okay? Parce qu'évidemment, toutes les frontières étant fermées à cause de la crise du coronavirus,
On ne peut pas faire tomber les barrières, ouvrir les frontières, etc. Ça pourrait être une mesure difficile à comprendre. Quoique, et je pense que je vous le donne en mille, mais vous pouvez vous l'imaginer assez facilement, il se susurre que d'ici juillet, les frontières pourraient réouvrir entre les pays, les frontières internationales pourraient réouvrir et la vie reprendre un cours normal, évidemment avec de très fortes contraintes dans les pays d'arrivée pour tous ceux qui vont voyager. Voilà. Alors, les préparatifs de cette mise en œuvre-là au niveau national, il y a quand même beaucoup de travail aussi dans tous les pays. C'est notamment la formation des fonctionnaires des douanes et des autres, en fait, qui peut se faire, elle, par contre, virtuellement. Donc, celle-là, alors, ça, je suis sûr que ça va continuer et qu'on pourra en bénéficier de ce retour positif-là. Il y a des lignes directrices aussi qui sont des lignes directrices pour les entreprises, un peu des guidelines, des guides d'opération pour les entreprises qui pourraient être complétées et qui pourraient les aider en fait dans le cadre de la facilitation du commerce que l'on peut d'ores et déjà préparer. Parce que le vrai sujet aussi, c'est que les entreprises africaines, sur une réforme de cette importance-là, pour moi les entrepreneurs, parce que vous le savez, hein, mon métier, c'est consultant en ingénierie d'affaires, et j'accompagne donc beaucoup d'entrepreneurs dans le cadre des incubateurs où j'interviens, ici et ailleurs. Et donc, ce que je note en fait, c'est que la plupart des entrepreneurs, même des entrepreneurs qui sont dans le numérique et dans les nouvelles technologies, ignorent en fait les éléments, ce que la ZLEC va changer dans leur vie de tous les jours. Donc voilà, c'est ce sujet-là que je voulais aborder avec vous. C'est le deuxième sujet qui est un sujet d'importance, c'est celui de la zone économique, la zone de libre-échange continentale. Le troisième qui est un sujet important sur la géopolitique du continent, c'est celui de la dette africaine. Et celui de la dette africaine, effectivement, vous en avez certainement déjà entendu parler, c'est probablement le lieu où le Covid va faire encore plus mal. Vous le savez, hein, le Covid va faire beaucoup de mal au niveau sanitaire. Il va faire beaucoup de mal au niveau social, mais il va être mortel sur les questions économiques. Vous avez certainement entendu notre président Macky Sall appeler de ses voeux que la dette soit annulée. Vous l'avez entendu. Et le fondement de cette demande-là, on peut le comprendre parce que les États n'ont pas eu de revenus pendant, on va dire, la moitié de l'année, puisqu'on est à partir de demain, on est dans le sixième mois de l'année, donc l'année sera à sa moitié. Donc on aura quand même passé 50% du temps. Or, les États, avec leur faible taux de recouvrement, les taux de recouvrement en Afrique sont anormalement bas. En tout cas, ils sont plus bas que partout ailleurs. Donc, il va falloir donc que, avec cette baisse de revenus-là, qu'on trouve le moyen de juguler la question de la dette. En préparant cette émission, j'ai écouté le professeur Felwine Sarr, que nous écoutons et que nous apprécions tous pour la plupart des gens qui sont sur ce live. Le professeur Felwine Sarr a une très belle opinion de ces questions-là, en disant, lui, de ce point de vue, et c'est assez contre-intuitif, que ce qu'il faut demander, ce n'est pas l'annulation de la dette, ce qu'il faut demander, c'est plutôt la réorganisation de la dette. Et il a après toute une théorie dessus, pour laquelle je ne vais pas rentrer dedans. Je voulais juste attirer votre attention sur le fait que 40% de la dette des pays africains est privée. Elle est détenue par des acteurs privés. Oui, Tia, tu as raison. L'intégration passe aussi par la monnaie unique africaine qui devrait accélérer son démarrage. Effectivement, c'est tous ces dispositifs-là qui vont faciliter les choses. Mais sur la monnaie unique africaine, il y a encore beaucoup d'étapes qu'il faut régler. Dont la plus polémique à l'époque, à cette heure-ci, c'est la question du franc CFA. La plus polémique, hein, même si le poids dont pèse cette monnaie sur les échanges du continent est des fois surestimé. Mais c'est vrai que la monnaie unique africaine est un sujet qu'il va falloir à un moment donné régler. Okay? 40% de la dette, en fait, est privée et ça ne va pas faciliter d'ailleurs la question de la gestion des conséquences du Covid, malgré le fait qu'aujourd'hui, il y a déjà un moratoire qui a été acté par le G20,
et qui accepte en fait de différer, de suspendre en fait la dette et d'en différer le paiement à un peu plus tard. Salut Maria Massouda, sois la bienvenue ma sœur. Gabi, sois la bienvenue. Maget Diopsou, sois la bienvenue ma sœur. Donc, petit rappel, hein, à l'indépendance en fait, dans les années 60, dans les années 60, parce que tout le monde n'est pas parti à l'indépendance en même temps, on a l'exception guinéenne, et puis on a tous les autres qui sont partis après les années 60. Mais il y a plusieurs pays africains qui ont hérité de dettes qui sont issues de la colonisation. Et ils se sont aussi beaucoup endettés auprès de la communauté internationale pour bâtir leurs nouveaux États. Ce n'était pas grave hein, à l'époque, parce que les taux étaient très abordables. La particularité, en fait, c'est qu'ils s'étaient endettés à ce qu'on appelle des taux variables. Comme quoi, ce n'est pas la crise de 2008 hein, qui a consacré la montée en puissance des taux variables. Non, ils s'étaient endettés à des taux variables. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques dix années plus tard, vous savez, à la fin des années 70, il y a eu les chocs pétroliers. Et quand les chocs pétroliers sont arrivés, les taux ont monté en flèche. Et les pays africains donc, se sont retrouvés à rembourser à des taux très élevés une dette qu'ils avaient contractée à des taux très faibles. Et c'est ça d'ailleurs. En fait, c'est de là que vient le caractère dit « insoutenable » entre guillemets de la dette. Le caractère insoutenable de la dette africaine vient de la période post-choc pétrolier. C'est aussi à cette période-là que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont commencé à penser à ces questions de politique d'ajustement structurel qui ont fait tant de mal en Afrique, en assortissant les politiques d'ajustement structurel à des réformes pour libéraliser l'économie. Parce que bon, la plupart des États, quand ils allaient à l'indépendance, étaient des États socialistes, en tout cas avec des économies collectivistes, et de toute façon, la présence du communisme, qui était quand même... oui, vous vous rappelez hein, sûrement la période des grands blocs, des deux blocs et de la guerre froide, il y avait quand même beaucoup de pays qui étaient encore communistes ou en tout cas socialistes. Et d'ailleurs, dans cette période-là d'ajustement structurel en échange des réformes pour libéraliser l'économie, il y a eu une troisième vague d'endettement dans les années 2000. Et c'est là maintenant que la Chine arrive dans l'Landerneau des créanciers du continent, et elle devient rapidement le premier créancier du continent, en même temps qu'elle. Parce que vous savez, pendant une trentaine d'années, la Chine a fait 10% de croissance chaque année. 10% de croissance. En étant les ateliers du monde, elle a eu une croissance extrêmement importante, et elle a généré des réserves qui étaient absolument phénoménales. Ces réserves-là, elle l'a utilisée pour mieux s'implanter ailleurs. Hein. D'ailleurs, de ce point de vue-là, la Chine n'est pas seulement le premier créancier de l'Afrique, elle est aussi le premier créancier des USA notamment, et d'autres pays aussi qui lui sont redevables à plus d'un titre. Voilà, et donc, ceci étant dit, sur la question de la dette, vous avez eu ce fameux débat, et c'est un débat qui va se poursuivre dans la période post-Covid, et c'est pour ça que j'en parle dans la géopolitique, c'est est-ce qu'il faut suspendre ou est-ce qu'il faut annuler la dette? Et donc, vous avez plusieurs créanciers publics qui ont accepté aujourd'hui la suspension pour 12 mois de la dette des pays les plus pauvres. Et dedans, vous avez 40 États africains qui font partie des pays les moins avancés. Okay? Et donc, un report à défaut d'une annulation, de ce point de vue-là, auprès des créanciers publics, ça ne devrait représenter qu'une petite partie de l'endettement total du continent. Je pense qu'il est estimé l'endettement de l'Afrique à environ 365 milliards de dollars. Et sur ces 365 milliards de dollars-là, parce qu'il faut le dire, un tiers de ces 365 milliards, donc un peu plus de 100 milliards, 133 et quelques milliards, appartiennent en fait à la Chine. La Chine détient un tiers de la dette totale du continent. Salut Clotilde, sois la bienvenue. Merci beaucoup. Sois la bienvenue Clotilde. Clotilde est en Namibie. Et je pense qu'il fait tard chez toi, Clotilde, non? Merci beaucoup, en tout cas, d'être là avec nous. Alors, contrairement à ce qu'on a connu dans les années 80, ce n'est pas, où ce n'était que de l'endettement auprès d'États souverains, la dette africaine est aussi détenue aujourd'hui par des investisseurs privés, tels que des fonds d'investissement. Et là, d'ailleurs, cette question-là de la détention de la dette par des investisseurs... Non, pas du tout. Il n'est pas toujours à des taux variables. Il y a plusieurs types de taux. Il y a des taux fixes
il y a des taux variables. Et dans les taux fixes encore, il y a plusieurs types de taux, ce qu'on appelle les taux concessionnels, des taux normaux et des taux un peu plus, des taux normaux et des taux un peu plus importants. Alors, c'est quoi le fondement des taux variables en réalité? Et ça, vous l'avez certainement assisté sur la crise des subprimes, par exemple. Écoute, j'espère qu'on ne te retient pas trop tard. Hein. En tout cas, merci beaucoup pour ta présence. Il fait 23 heures en Namibie. Merci, Clotilde. La question des taux variables, ce n'est pas d'ailleurs seulement pour les États africains que ça posait des problèmes. Vous vous souvenez, dans la crise des subprimes, il y avait des taux variables, en fait, qui étaient un mécanisme, en fait, c'est ce qu'on appelait le mortgage. Mortgage en anglais ou taux hypothécaire, prêt hypothécaire. Et les prêts hypothécaires, en fait, avaient deux garanties. Une première garantie sur la maison elle-même et une deuxième garantie sur le taux. C'est-à-dire qu'on crée, en fait, des polices collectives pour tous les emprunteurs. Et lorsque un emprunteur fait défaut, sa maison est récupérée et elle est mise sur le marché immobilier. Elle est revendue, donc. Cet emprunteur perd sa maison. Et la banque réalise sa garantie en fait. Donc là, il n'y a pas de problème. La deuxième conséquence, c'est que les taux variables augmentent pour ceux qui restent dans le groupe. Et puisque leur taux augmente pour ceux qui restent dans le groupe, la probabilité qu'ils fassent défaut est plus importante. Et donc, quand les autres font défaut, ils perdent leur maison. Et donc, il arrive de plus en plus sur le marché immobilier des maisons. Et le prix donc du marché immobilier, le prix de la maison sur le marché immobilier, à cause de la mécanique assez simple, hein, de l'offre et de la demande, si l'offre augmente, la demande baisse. Donc le marché immobilier se casse la figure à cause de la débauche de maisons qui arrive en conséquence du fait que les ménages américains n'arrivent pas à rembourser en fait leurs dettes. Donc il y a de plus en plus de maisons qui arrivent, les gens perdent leur maison et les maisons ne se vendent pas. Puisqu'elles ne se vendent pas, les banques sont à court de liquidités parce qu'elles ont mis, elles, leur argent, elles l'ont donné aux gens qui devaient les rembourser. Et s'ils ne les remboursent pas, ils prennent la maison et ils la revendent. Et ils ont un afflux d'argent. Mais ne pouvant pas vendre, ils ont un problème de trésorerie. Ils ont un patrimoine, mais ils n'ont pas l'argent qui est associé au patrimoine. Et c'est là que les taux variables sont un mécanisme assez dangereux. Et donc aujourd'hui, il y a de vraies initiatives donc, sur la question du taux variable. Notamment le comité pour l'annulation de la dette des pays africains, justement, ils travaillent dessus en disant que ce qu'il faudrait en fait, c'est annuler totalement tous les intérêts qui sont à taux variable. Il y a des pays qui ont été obligés de rembourser en taux variable, en intérêts, plus que ce qu'ils avaient emprunté à titre principal. Ils ont été amenés à rembourser plus que le principal de la dette. Et donc, ce n'est pas simplement une question financière, vous l'avez bien compris. C'est aussi une question doctrinale et une question idéologique. Évidemment, on peut dire que les États qui s'endettent à ces taux-là, pourquoi l'ont-ils fait? Mais c'est aussi la question de la signature. Vous savez que tous les États ne sont pas, n'ont pas une signature triple A. Et donc, en fonction de votre signature, vous êtes parfois obligé d'accepter des conditions financières moins favorables. C'est ce que nous trouvons tous hein, au niveau des banques. Quand vous allez à la banque et que vous n'avez pas de garantie très bonne, généralement, la conséquence, c'est que votre taux d'endettement, le taux auquel vous allez vous endetter, va être plus élevé. Parce que le taux est la réponse financière à la prise de risque, en fait, que les financiers font. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, il faut annuler une bonne fois pour toutes le paiement des intérêts. Et ça, c'est exactement le plaidoyer qu'il faut faire. Il faut demander aux gens d'annuler le paiement des intérêts sur la dette. Parce que quand les montants dépassent de loin l'emprunt originel, il y a forcément de l'usure. Or, cette usure-là, elle n'est pas admissible. Elle n'est pas admissible. Okay? Aujourd'hui, d'ailleurs, les Chinois, pour la plupart, tiens, puis pour rester sur ton sujet et terminer dessus, les Chinois nous prêtent souvent à des taux concessionnels. Les pays arabes prêtent souvent à des taux concessionnels. C'est d'ailleurs ce qui avait fait. Oui, exactement. En fait, ce qui est demandé aujourd'hui, c'est l'annulation de la part d'endettement à taux variable. L'annulation totalement. Et ça pourrait permettre en fait de rendre plus soutenable la dette, parce que quand on scrute la dette, on voit dedans que la part, c'est ce qu'on appelle le service de la dette. Dans le service de la dette, quelle est la part qui est attachée
à des taux trop élevés ou des taux variables usuraires. Il faut qu'on scrute ça et qu'on l'enlève. Et après, pour le reste, et c'est ce que dit avec beaucoup de bonheur le professeur Felwinsar, il y a des éléments qui, si on les réorganise, en fait, ils rendent supportable la dette. Et les pays africains n'ont plus besoin qu'on les soutienne ou qu'on leur fasse des prêts pour payer des prêts. Parce qu'on en est à ça. Aujourd'hui, en fait, il y a des. On est presque rendu à. C'est du soulbouki soulibouki. Je sais que tout le monde ne comprend pas Wolof, mais je vais traduire. En fait, on emprunte pour payer le service de la dette. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est criminel. Pourquoi c'est criminel? Parce que c'est les générations d'aujourd'hui qui, au lieu de laisser en fait un patrimoine aux générations futures, leur laissent des dettes dont ils savent aujourd'hui qu'elles sont irremboursables. Totalement. Donc c'est ça le sujet de ça. Et donc, et c'est pour ça que d'aucuns ont parlé au sujet de la dette du mythe de Sisyphe. Vous savez, dans la Grèce antique, il y a un mythe en fait. Sisyphe, en fait, c'est celui qui roule la boule jusqu'en haut et ensuite elle redescend. Et il reprend encore et il roule la boule jusqu'en haut et elle redescend. Et donc, beaucoup de gens ont considéré que la dette était comparable aux travaux de Sisyphe parce qu'il y a plusieurs pays africains qui ont connu des allègements de dette ces dernières années. Et au titre de l'initiative hein, de la Banque mondiale et du FMI qui s'appelait PPTE, les pays pauvres très endettés. Mais le cercle vertueux qui était escompté, parce qu'il y avait un cercle vertueux, puisqu'on annule la dette, ils vont donc pouvoir repartir à zéro. Et vous savez ce qui s'est passé, mes chers amis? On nous a annulé la dette et qu'est-ce qui s'est passé? Congo-Brazzaville, par exemple, je prends cet exemple avant de parler de nous, parce que sinon on peut penser que je fais de la politique. Oui, c'est ça, non, mais alors bien sûr. Alors peut-être qu'on aura l'occasion une fois de parler aussi du mécanisme de l'argent dette. En fait, parce que l'argent dette arrimé au dollar et à la planche à billets, en fait, c'est de la fiction économique. Mais bon, c'est pas grave, on n'a pas le temps de rentrer dedans parce que le temps nous est compté. Mais ce qu'il faut retenir là, c'est que le Congo-Brazzaville, par exemple, dont la dette a été divisée par 3 en 2005, 3, on a divisé la dette par 3, s'est endetté à nouveau à plus de 100% de son PIB. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la question, en fait, de la question de la malgouvernance et de la corruption sont des points qui gangrènent certains régimes sur le continent. Alors, on parle en fait de. Il y a un cycle en fait infernal de l'endettement pour le financement d'un développement qui n'arrive jamais. Oui, alors mutualiser le. Alors pourquoi mutualiser la dette africaine? À cause de la disparité en fait des PIB. Tu vois, les pays africains ne sont pas tous égaux. Il y en a qui ont accès aux ports, il y en a qui n'ont pas accès aux ports, il y en a qui sont exportateurs nets. Il y en a qui sont plutôt importateurs nets, etc. Donc, il s'agit en fait de faire jouer un mécanisme de péréquation. Ça s'appelle ça, c'est comme ça que ça s'appelle. La péréquation, c'est quoi? C'est utiliser les disparités qu'il y a de PIB pour éviter que ça ne coûte trop aux uns et pas aux autres. Par exemple, et c'est ça le paradoxe, c'est que les pays les plus endettés ne sont pas forcément les pays qui ont le plus de revenus. Et donc, en mutualisant cette dette-là, on fait en sorte de mieux la répartir dans les pays et tout le monde peut y prendre son écho, ce qui fait que ça pèse moins sur ceux qui ont le moins. Alors, évidemment, je suis dubitatif sur le mécanisme, j'en explique le fondement simplement. Alors, non, tout le monde ne requiert pas l'annulation de la dette à cause des différences de profil économique. Nous ne sommes pas tous les mêmes. Tous les pays africains ne sont pas les mêmes. Et c'est exactement ce que j'expliquais, Maguette Diop Sow, au sujet de la question de l'huile au pie il y a quelques minutes. Mais on va avoir l'occasion d'en parler, puisque vous allez voir en fait que dans le mécanisme en fait, dans le mécanisme d'endettement, il y a quelque chose de vicieux. Quelque chose de vicieux. Parce que dans l'initiative PPTE, dont je vous ai parlé tout à l'heure, pays pauvres très endettés, que la Banque mondiale et le FMI ont mis en œuvre en faveur des pays les moins avancés, les pays qui en ont bénéficié ne sont pas sortis du cycle de l'endettement. Ils y sont revenus. J'ai parlé tout à l'heure de l'exemple du Congo, qui est endetté à 100% de son PIB maintenant,
Mais prenons le cas du Sénégal, qui est plus proche de nous. Le niveau de la dette qui était. Alors, en 2000, 2004, 2005, grâce à Idrissa Seck, qui était alors premier ministre, en fait, le Sénégal avait mis tous les voyants au vert et a pu bénéficier, en fait, de l'initiative PPTE. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont bénéficié de cette initiative PPTE-là, qui a remis les compteurs à zéro? On est passé de 78% du PIB à 20,9% de dette. Mais on l'a reconstitué rapidement. On est passé de 1 022 milliards en 2006 à 3 076 milliards en 2012, quand Abdoulaye Wade quittait le pouvoir, soit 42% du PIB. Donc vous voyez bien que en à peine 6 ans, 2006-2012, on est passé de 20% à 42%, soit un doublement de notre endettement, alors qu'on venait à peine de nous passer environ 48% du PIB qui avait été enlevé de notre endettement. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. On était sur une dynamique vertueuse et on s'est remis dans une dynamique assez élevée. Alors depuis 2012, on est à 42%. Mais il faut parler de ce qui s'est passé depuis 2012. Comment s'appelle cette affaire? L'initiative en faveur des pays pauvres très endettés et l'initiative d'allègement de la dette multilatérale, qui en 2006 nous ont permis, nous, de faire baisser notre niveau de la dette. Mais regardez, pour le cas de la dette au Sénégal, en 2011, on était à 2 700 milliards. En 2015, vous savez, on était à combien? Au double, 4 597 milliards. 4 597 milliards entre 2011 et 2015. Alors ça, par contre, on ne peut pas accuser Abdoulaye Wade, c'est directement la responsabilité de Macky Sall. Et je vous ai parlé de 2015. En 2015, on était à 4 597 milliards. Alors, tenez-vous bien, hein, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, en 2019, décembre 2019? Est-ce que vous savez à combien sommes-nous passés en termes d'encours de la dette? Est-ce que vous pouvez me mettre la réponse en commentaire pour ceux qui l'ont? Entre 2015 et 2019, quel est aujourd'hui l'encours de la dette du Sénégal? OK? J'attends une minute parce que c'est important et j'ai besoin d'avoir votre feedback dessus parce que je crois qu'on ne se rend pas compte et je voulais faire cette petite parenthèse sur la dette sénégalaise avant de revenir au parcours africain qui est notre sujet aujourd'hui. Salut, président Pierre Barbosa, sois le bienvenu. Bonne fête de Pentecôte à toi aussi. Et bon, merci beaucoup. Merci pour tes encouragements. Alors, Jules Tiatia me dit 6 000 et plus. Très bien. Est-ce qu'on a un autre chiffre? 6 000 et plus. Donc 4 500 en 2015. J'attends juste une autre réponse et ensuite je vous donne l'info, hein. Alors bon, comme il y a un petit différé, je vous le donne. Aujourd'hui, le montant de la dette publique, à décembre 2019, ah, exactement, Marie Matisse, exactement, on n'est pas loin des 10 000. Marie Matisse, c'est tout à fait ça, exactement. On est aujourd'hui à 9 114 milliards, exactement, Maguette Diopso. Exactement, le double. Exactement. On est au double. En 4 ans. En 4 ans, nous avons doublé le chiffre de notre dette publique. Et à telle enseigne, c'est tellement grave. C'est tellement grave. Exactement, petit Koulibaly, c'est exactement ça. Bassir, mon frère, tu as tout à fait raison. C'est tellement exact, cette histoire de plus de 9 000 milliards, que le Fonds monétaire international a été obligé d'appeler le ministre de l'économie et des finances et de lui mettre un seuil en lui disant, vous ne devez pas dépasser 9 563 milliards. Donc aujourd'hui, même si on ne le dit pas,
on est dans une situation d'ajustement structurel en raison du fait que, alors exactement, ça fait 63,7% de notre PIB. 63,7%. Je dois rappeler que jusqu'quand Abdoulaye Wade partait, on était à 42%. Aujourd'hui, on est à 63,7%, donc environ 64% de notre PIB avec ces 9 000 milliards-là. La dette publique, en fait, elle devait représenter 53% du PIB et la dette publique totale 63%, selon le document du FMI. Mais ce qui justifie cette hausse, c'est l'augmentation des besoins de financement du fait que le Trésor doit financer la réduction du solde restant à fin 2018 dans les comptes de dépôt au-dessous de la ligne. C'est le paiement des arriérés de la Sénélec qui sont antérieurs à 2019 dans le cadre du plan qui a été appuyé par la Banque mondiale et destiné à rétablir la viabilité des entreprises. Et ce plan-là a été financé par un prêt commercial extérieur à court terme de 125 milliards. Et aujourd'hui, au moment où le service de la dette extérieure augmente, celui de la dette publique totale reste considérable. Alors, les critères de convergence. Aujourd'hui, on nous dit que dans l'UMOA, c'est 70% du PIB. Mais pour moi, ça n'a pas de sens, puisque dans l'UMOA, on n'a pas tous le même PIB. Ce qu'on appelait les critères de convergence. Donc, effectivement, il faut maintenir des seuils critiques. Mais aujourd'hui, exprimer un seuil critique en valeur relative seulement, pour moi, c'est de la fumisterie. C'est de la fumisterie. Celui qui a 1 million et qui est endetté à 63% et celui qui a 10 millions et qui est endetté à 50%, à qui la dette coûte-t-elle le plus? Évidemment à celui qui a 53% de 10 millions. Voilà, et c'est ça le sujet, justement, des critères de convergence. Mais tu as raison, Pi, de poser cette question-là. Le seuil critique, en fait, il est de 70%. Mais, et c'est pour ça d'ailleurs que le FMI, justement parce que le FMI c'est un peu le gendarme, hein, le gendarme de l'endettement des pays essentiellement africains, des pays mondiaux, mais essentiellement africains puisque c'est aux pays africains en fait qu'elle donne des directives dans ce cadre-là. Oui, je parle du Sénégal parce que le Sénégal est dans une zone économique en fait où il y a ce qu'on appelle des critères de convergence. Tout le monde a en partage ces seuils critiques-là. Tout le monde a en partage les mêmes seuils critiques. Donc, c'est de 70% le seuil critique pour le Sénégal, puisqu'il le tire de l'UMOA et de ses partenaires. Donc, le ratio service de la dette publique extérieure sur exportation est passé de 9% à 17%. Le service de la dette, ce qu'on rembourse en fait, c'est-à-dire sur nos exportations, la part de nos exportations que nous utilisons pour payer le service de la dette, c'est 18% en 2019. Donc le service total de la dette est estimé à 28% du total des recettes en 2019. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a de plus en plus recours à des emprunts non concessionnels au cours des deux dernières années. Alors là-dessus, on a quand même eu, et c'est quand même quelque chose qu'il faut noter par honnêteté intellectuelle, le soutien de la France. Et donc, de ce point de vue-là, la France voulait une annulation de la dette des pays africains, mais pour l'instant, elle n'a obtenu qu'un moratoire, celui du Club de Paris, ce qu'on appelle les pays prêteurs, et puis le G20. En 2020, les 76 pays les plus pauvres de la planète, dont 40 pays africains, devaient rembourser un total de 32 milliards de dollars. Paris a obtenu un moratoire au niveau des créanciers bilatéraux et privés, c'est-à-dire un total de 20 milliards de dollars qui a été reporté. Mais c'est la Chine, et donc je l'avais déjà expliqué, qui est l'un des plus gros créanciers de l'Afrique, qui a accepté le principe. Et donc, vous voyez bien que dans notre projet des routes de la soie dont nous avons parlé au niveau de la Chine, il y a aussi le fait que beaucoup de pays, vous savez que quand on ose, on dit non, mais beaucoup de pays n'osent pas dire non à la Chine. Parce qu'aujourd'hui, il y a environ 12 milliards de dollars de créances qui sont dues par ces pays-là. Et bon, aujourd'hui, un accord est en bonne voie. Il sera peut-être même annoncé par le FMI et la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale s'était déclarée favorable à un moratoire sur la dette des pays africains. Donc, je pense qu'on verra bientôt cette question-là, à n'en pas douter.
Mais dans la géopolitique de la pandémie, et spécialement de l'Afrique, il y a aussi la question de l'arrêt du financement de l'OMS par les USA. Vous savez qu'avant-hier, vendredi, Donald Trump a annoncé qu'il mettait fin à la relation avec l'organisme international. Et il faut savoir hein, que les États-Unis contribuent à l'OMS à plus de 400 millions de dollars par an. J'avais dit d'ailleurs lors du premier live que nous avions fait sur la géopolitique de la pandémie qu'il était extrêmement probable qu'avant la fin de la crise sanitaire, que les États-Unis se séparent définitivement de l'OMS. Eh bien, ça a été fait. Aujourd'hui, en dépit du fait hein, que les États-Unis ont 200 millions de dollars d'arriérés, en dépit de ce fait-là, ils ont dit qu'ils ne participeraient plus, okay, qu'ils ne donneraient plus. Alors, c'était le premier donateur de l'organisation et leur contribution annuelle était là pour donner un ordre d'idée, parce que j'ai entendu certains dire, oui, mais si les États-Unis partent, la Chine prendra le relais. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai que la Chine peut prendre le relais. Je ne suis pas sûr qu'elle le prendrait au même niveau. Parce que vous savez, la contribution des États-Unis était 10 fois supérieure à celle de la Chine. Okay? Et donc le fondement en fait de cette décision, c'est que Trump accuse l'organisation. Alors, 400 millions de dollars, je pense que 400 millions de dollars font approximativement 20%. 20%... 400 millions de dollars, c'est approximativement 1 milliard de dollars pour le budget de l'UMS, de l'OMS. L'OMS. OK? Donc, de ce point de vue-là, Trump a accusé l'organisation d'avoir mal géré, d'avoir dissimulé la propagation initiale du Covid en Chine et de ne pas avoir adopté une position plus dure envers Pékin. Bon, aujourd'hui, l'OMS est 194 personnes, mais ce qu'il faut rappeler, c'est que l'OMS reçoit la majorité de son financement de deux sources principales. La première, c'est les cotisations des pays, c'est ce qu'on appelle les contributions obligatoires, et ces cotisations-là, elles sont calculées sur la base du PIB. Et sur la base du PIB, c'est ça d'ailleurs le rationnel de la contribution aussi élevée des États-Unis. C'est que, en termes de PIB et de taille de population, les États-Unis sont le premier contributeur en fait. Mais elles n'ont pas augmenté en termes réels depuis le gel du niveau des paiements dans les années 80. Donc c'est resté assez statique. Et la deuxième source de financement, en fait, c'est les contributions volontaires, c'est-à-dire ce que les États, de façon libre, donc les libéralités que les États mettent à la disposition de l'OMS, qui proviennent donc des gouvernements et des organisations philanthropiques, comme celle de Bill Gates. Alors, j'arrive, hein, Dibi. C'est une excellente question que tu poses, j'arrive tout de suite. On va en reparler. Celles-ci proviennent donc des gouvernements, des organisations philanthropiques, Bill et Melinda Gates Foundation, et c'est ça d'ailleurs qui explique qu'on a trouvé une coïncidence assez bizarre entre le fait que Bill Gates a donné environ 60 millions de dollars approximativement, et le lendemain du jour où il a donné ces 60 millions de dollars-là, le Covid-19 a été déclaré pandémie, alors que Bill Gates avait demandé longtemps, et tout le monde l'avait entendu, que l'OMS doit s'empresser de décréter le Covid-19 pandémie mondiale. Donc on avait cette espèce de, comment on va dire, conflit d'intérêts et de collusion entre les intérêts d'un bailleur individuel, d'un bailleur philanthropique, et les intérêts de l'OMS. Alors, Dibi pose une question extrêmement intéressante. Est-ce que le Congrès américain pourrait contraindre Trump à revenir sur sa décision? Oui et non. Oui, parce qu'il faudrait y être majoritaire, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça d'ailleurs que toutes les initiatives contre Trump ont fait sous blanc. Vous avez, parce que si ça avait été possible, le Congrès aurait obligé Trump à revenir sur sa décision sur la COP 21, parce que je vous rappelle que les États-Unis sont sortis de la COP 21, il l'aurait obligé à revenir sur l'accord de Téhéran, pardon, l'accord de Vienne, qui concernait l'accord que Obama avait signé avec l'Iran sur la réduction des sanctions. On l'aurait obligé à y retourner. On l'aurait obligé à revenir dans des organisations multilatérales qu'il a quittées. Et jamais on n'a pu le faire
ployé sur ces questions-là. Donc, et puis ensuite, vous avez vu certainement le procès que Pelosi a essayé de lui faire sur son implication en Ukraine avec le président ukrainien, et ça n'a pas fonctionné. Donc, je pense en fait que Donald Trump se sait dans une posture favorable. Et ensuite, il ne s'est pas contenté de dire qu'il ne donnerait plus d'argent. Il a dit qu'il la réorienterait, cette aide-là. Il dit qu'il la réorienterait vers d'autres initiatives qui peuvent aider à mieux gérer sa population. Mais songeons un instant à ce qu'il pourrait faire de cet argent qu'il récupère à quelques encablures des élections présidentielles. C'est un beau budget qu'il a. Oui, absolument, Tiatia, tu as tout à fait raison. Bill et Melinda Gates ont des relations très complexes avec l'OMS. Et Bill Gates, en fait, a des relations assez particulières avec tout ce qui est vaccin, parce qu'on oublie que c'est un homme d'affaires, et ce n'est que ça, ce n'est pas un philanthrope. Moi, je lui dénie cette qualité. C'est un businessman. Parce que l'argent qu'il donne, en fait, repart de l'OMS via des structures, en fait, qui sont essentiellement américaines et qui ont partie liée avec Bill Gates. On aura peut-être l'occasion d'y revenir lors de live, d'autres lives sûrement. Donc, n'oubliez pas donc que cette question-là, le fait qu'on soit quelques encablures des élections, le fait que Trump soit le président qui ait fait quasiment tout ce qu'il avait dit qu'il ferait, le fait que on ait le coronavirus et comment on va dire, la confrontation qu'il y a entre l'exécutif central, donc l'État fédéral, et les gouverneurs, qui eux ferment la décision de déconfiner, refusent, et seuls les gouverneurs républicains commencent à déconfiner, et ils y vont timidement. Je pense que les élections présidentielles, en tout cas, pourraient nous donner à voir des choses assez différentes. Oui, un très bon budget en vue des échéances électorales. Et surtout, n'oubliez pas que Trump a vu l'intérêt du Obamacare que lui-même était en train de détricoter. Aujourd'hui, il ne faut pas exclure, parce qu'il n'est pas bête, il ne faut pas exclure qu'il retravaille le Obamacare pour avoir un programme à proposer, parce que de toute façon, les questions sanitaires et les questions donc d'assurance et de protection sociale seront au cœur des prochaines élections américaines. Ça, il ne faut même pas en douter. Et donc, de ce point de vue-là, le fait de récupérer 400 millions de dollars, c'est quelque chose qui peut globalement améliorer le déficit en fait de l'assurance médicale aux États-Unis. Alors, de manière plus globale, les Africains, ils doivent, et c'est ça justement la portée de la pandémie, c'est ils doivent avoir maintenant un rapport différent aux organisations multilatérales. Vous savez que Trump nous a montré, oui, exactement avec la structure Gavi justement qui parle de la vaccination et qui appuie le renforcement du système de santé dans le cadre des vaccins et autres. Alors, Tiatia, qui est sur le live là justement, et quelqu'un qui connaît très bien ces questions de développement, parce que les questions de vaccination ont été confondues depuis pas longtemps avec les questions de développement. Ce qui fait que dans la plupart des cas, tiens, tu es à World Vision, hein, c'est ça? Tu as Vision mondiale, hein, c'est ça? Donc forcément, c'est quelqu'un qui connaît bien ces questions-là, et je me réjouis qu'il apporte sa contribution à ce live-là. Merci, Tiatia, pour cette contribution. Alors, du coup, l'appel de l'Union européenne, est-ce que ça n'aura aucun impact? Alors, on ne peut pas le dire aussi rapidement, mais l'Union européenne a sa propre feuille de route aussi. Et pour moi, c'est la question, ce que tu poses, c'est la question des organisations multilatérales. Mais peut-être qu'il faut le rappeler, parce que ça peut être assez banal de le dire comme ça, mais les organisations internationales, c'est quand même un espace de rapport de force. Et puis, les intentions qui sont à l'origine de ceux qui y participent, qui sont les intentions qui animent les États qui y participent, et le mal qu'ils peuvent faire, c'est d'intensité variable. C'est toujours un lieu en fait de négociation, j'allais même dire de marchandage, pas toujours très digne entre États. Alors il y a quatre niveaux où on peut voir la réflexion. Premier niveau en fait, c'est qu'il y a des rivalités d'intérêts économiques.
Et de ce point de vue-là, de manière indissociable, il y a les considérations de politique intérieure. Chaque dirigeant agit en fonction de comment ses électeurs voient les choses. Alors même s'il peut contribuer à changer les perceptions de ses électeurs, il doit quand même agir en en tenant compte. Et dans les organisations multilatérales, notamment quand la France va au niveau de l'Union européenne et qu'elle défend une position sur l'immigration, elle la défend à la fois en fonction de ses valeurs, mais aussi en fonction de ce que son électorat croit juste. Elle ne peut donc pas appeler à une ouverture des frontières européennes, la France, si dans son système national, le Front national est en train de monter dans les sondages. On voit bien que les organisations multilatérales sont aussi les victimes, enfin les victimes, en tout cas, elles sont assujetties, elles sont exposées comment on va dire, à la météo intérieure qu'il y a dans et à la météo électorale dans leurs États respectifs. Donc ça, c'est le premier élément. Et c'est ça qui se passe au niveau de l'Union européenne notamment, où chacun des pays, par exemple, vous avez Salvini en Italie, qui aujourd'hui... Alors en Chine, en Italie, en fait, vous avez un truc assez particulier, c'est que de plus en plus, tout le monde est d'accord que l'Union européenne, ce n'est pas bon. Et ensuite, et ça, c'est quelque chose d'assez curieux que vous devez voir. En Italie, il y a des affiches qui apparaissent sur les murs dans lesquelles on salue l'action de la Chine en disant l'ami, c'est celui qui vous tend la main. Ce n'est pas forcément celui qui habite à côté de chez vous. Donc vous voyez l'image, hein? L'image, c'est la Chine, c'est loin, mais c'est eux nos vrais amis, alors que l'Union européenne, ils sont proches, mais ils ne sont pas nos amis. Parce qu'évidemment, vous avez tous assisté à la contribution forte que la Chine a eue dans la crise à coronavirus aux côtés de l'Italie. Et vous avez certainement vu la passivité avec laquelle l'Union européenne a observé tout ça. Sûrement aussi parce que chaque État était occupé par ailleurs chez lui et que l'Union européenne, enfin, si vous voulez, les compétences en santé publique ne sont pas des compétences transférées et que l'Union européenne, en fait, ne les gère pas. Chaque État a sa propre politique. Et donc, c'est ça qui fait que... En dépit du fait qu'on n'a pas vu l'Union européenne, on ne peut pas lui reprocher à l'Union européenne de n'avoir rien fait, parce que ce n'était pas son rôle de faire. Par contre, on peut lui reprocher d'avoir appelé comment on va dire, appauvrissement et un désinvestissement dans les infrastructures hôtelières dans toute l'Union européenne, justement, puisque les critères de convergence là-bas aussi appelaient à éviter les investissements et à équilibrer les comptes des hôpitaux, pour ne pas avoir à la fin des déséquilibres du budget. Le deuxième niveau, en fait, et j'essaie d'accélérer parce qu'on a 1h19, le deuxième niveau, c'est que les États tentent d'exercer sur ces institutions une influence indirecte et souvent peu visible de l'extérieur. Que ce soit pour faire valoir leurs principes, pour faire avancer une négociation, ou bien simplement par souci de démontrer leur puissance sur la scène internationale. Et ça, ce n'est a priori ni anormal ni scandaleux. Oui, forcément. Les États, ils sont là aussi pour exister sur la chaîne géopolitique et pour faire avancer leur agenda. À partir du moment où il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de violation des principes des organisations, et sous ces deux réserves-là seulement, les intentions peuvent faire l'objet d'une critique politique, mais la tentative d'influencer les gens pour obtenir du pouvoir au sein de ces organisations, je peux parfaitement les comprendre et nous devrions y aller nous-mêmes, Africains, avec moins de naïveté. Hein, parce que des fois, on y va avec quelques naïvetés. Et puis, un troisième niveau, il faut aussi dire qu'un État peut chercher à se servir d'une organisation internationale pour tenter, alors souvent par des pressions, hein, de légitimer une politique qui peut être contestable ou de l'utiliser pour dissimuler certains de ses méfaits. Par exemple, empêcher la réaction de la communauté internationale en appelant la communauté internationale sur une situation où nous-mêmes on est en conflit. Ou alors de délégitimer ou de faire pression un État qui est un État adversaire. Okay? Et c'est pour ça que vous voyez aux Nations Unies les clashs mémorables qu'il y a entre Recep Tayyip Erdogan et Israël notamment. Vous avez aussi les clashs mémorables qui peuvent exister entre la Russie et les États-Unis sur la question iranienne notamment. Parce que c'est normal en fait qu'au niveau des organisations internationales,
Chacun cherche à accroître son influence et sa puissance. Et puis on a un quatrième niveau, et c'est de mon point de vue le plus grave. C'est qu'un État peut chercher à rendre une organisation internationale inopérante dans ce qui est au cœur de sa mission en bloquant ses résolutions. Et ça va certainement vous rappeler des choses, ou en violant les décisions supposément conjointes et en entravant l'action. Et là-dessus, je pense, en parlant de ça, à Israël notamment. Israël est un État voyou. Israël est un État qui régulièrement viole les résolutions des Nations Unies. Et à côté de lui, qui vous avez comme État voyou number one avec Israël? Et c'est la même chose, les États-Unis. Exactement. Donc il faudrait que sur les organisations multilatérales, on soit plutôt attentif. Et je voulais terminer par un point qui me semble assez important, c'est celui de l'Union africaine elle-même. Alors si, et je suis sûr que ça ne vous a pas échappé, observateur attentif que vous êtes, il y a quelques pays sur lesquels les jours qui vont venir, en tout cas les jours post-Covid, vont être quand même des jours assez importants. Le premier, en fait, c'est le Soudan, et notamment le Soudan et le Soudan du Sud. Parce que, après vous savez, il y a El-Béchir Amphib qui a été mis en. Enfin, dégommé, et qui est actuellement en train d'être jugé. Et donc, il y a beaucoup de problèmes, en fait, entre les forces de sécurité et puis les dirigeants civils. Donc, l'Union africaine, de mon point de vue, cette question-là du Soudan est une question qu'il faut gérer pour aider la transition de l'après El-Béchir, parce que sinon ça va exploser là-bas. Et de ce point de vue-là, l'Union africaine a une belle carte à jouer avec les leviers diplomatiques traditionnels et pour exhorter surtout les autres partenaires internationaux à offrir une planche de salut financière. À côté du Soudan, vous avez le Soudan du Sud, vous savez, pays qui, il n'y a pas longtemps, a pris son autonomie, etc. Là-bas, il faudrait amener les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest, en fait, à redoubler d'efforts pour maintenir en bonne voie le processus de paix. Parce que là-bas, si on n'y fait pas attention, les parties au conflit pourraient, en fait, repartir dans une guéguerre et on pourrait avoir des mesures punitives qui pourraient faire ressurgir le conflit dans cette zone du monde-là. Donc, attention. Toujours du côté de l'Est, en fait, vous avez la Somalie et puis l'Éthiopie. Parce que l'Éthiopie, par exemple, vous avez des élections là qui vont se faire dans pas longtemps. À mon avis, je pense que c'est au mois d'octobre. Hein. Enfin, vous me confirmez hein, si il y en a parmi vous qui savent de quoi il s'agit. Mais je crois que c'est au mois d'octobre les élections. Il faut que l'Union africaine se prépare à agir comme médiateur, parce que ces élections-là en Éthiopie, elles vont amener beaucoup de problèmes. Elles vont amener beaucoup de problèmes, essentiellement d'ailleurs parce que il y a eu beaucoup de morts en fait dans la période enfin le Premier ministre là, Ahmed, justement, a quand même fait. Enfin, il y a eu beaucoup de violence sous son autorité qu'il n'a pas calmée de ce point de vue-là. Ok? Et je terminerai ensuite par le financement des opérations de maintien de la paix, parce que là-dessus, c'est ça le vrai sujet sur lequel je voudrais terminer, en fait, les opérations de maintien de la paix. À côté au Cameroun, on a le gouvernement et puis les séparatistes qui s'engagent dans un dialogue, mais l'État camerounais, des fois, ne joue pas franc jeu. Ne joue pas franc jeu et je pense qu'il faudrait faire pression sur le gouvernement pour que, il s'engage dans un vrai dialogue inclusif afin de les aider à mettre fin à la crise dans les régions anglophones. Mais qui va faire ce dialogue-là? Paul Biya habite quasiment toute l'année en Suisse. Qui va conduire ce dialogue inclusif-là? C'est une question. Et donc, l'Union africaine doit prendre cette question-là et la regarder comme une question principale. À côté, il y a les questions sécuritaires. On a tous assisté, le Burkina Faso est en train d'exploser. Il faut soutenir le processus électoral et encourager le dialogue pour réduire les violences politiques là-bas, mais aussi faire aboutir la stratégie de stabilisation du Sahel pour contribuer à lutter contre les facteurs d'instabilité à long terme. Et là-bas, il y a même un autre élément qui est plus pernicieux, c'est les violences interreligieuses. Régulièrement, les catholiques et les chrétiens sont l'objet de violences de la part de terroristes
qui se disent en fait, on dit que c'est les gens de l'État islamique, moi j'ai des doutes, mais enfin, il faut quand même aider, l'Union africaine doit aider au Burkina Faso. Je pense que la France simplement et les pays qui sont engagés auprès de la MINUSMA, ça ne va pas fonctionner. Ah voilà, ok, merci beaucoup, Dibi. Donc c'est en août hein, pour l'Éthiopie. Hein. Ok, moi j'avais le mois d'octobre. Donc c'est bien, au mois d'août. Ok, merci beaucoup, maître. Effectivement, les élections législatives au mois d'août. Merci infiniment. Merci, maître. Donc j'avais 2 mois d'avance. Merci infiniment. Et puis, il y a aussi la question donc des élections. Alors il y a quelques élections dans 2 pays qu'il faut quand même surveiller de très près. Et ça aussi, c'est la responsabilité de l'Union africaine. C'est la Côte d'Ivoire et la Guinée. La Côte d'Ivoire, en dépit de ce que nous dit le président Alassane Ouattara, sa volonté de se maintenir est manifeste. Il a une volonté de se maintenir en dépit de ce qu'il dit. Voilà. Ces différentes manœuvres-là, de partis unitaires, les manœuvres contre, comment il s'appelle Oui, c'est ça. Et tu vois, Alilou, exactement. Alilou, mon frère, sois le bienvenu. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Et c'est le point par lequel je veux terminer. Donc, c'est mon ami, en fait, qui est en Afrique du Sud et qui bosse à l'Union africaine, justement, donc sur la partie NEPAD, et qui a un très beau projet d'entrepreneuriat, enfin, en tout cas, de susciter des entreprises sur tout le continent. Et il me dit, en fait, ces missions de maintien de la paix sont financées par les Européens et les Africains. Je vais en parler dans 2 minutes. Alilou, si tu me le permets. Alors, les élections à surveiller, donc Côte d'Ivoire, les récentes poursuites contre, comment il s'appelle, l'ancien terroriste, là, alors c'est au moment où je vais en parler, Soro Guillaume, sont des poursuites dont on sait bien qu'elles sont intéressées. Parce qu'on ne peut pas imaginer une demi-seconde que pendant tout le compagnonnage, il n'ait pas été possible de le poursuivre pour ça. Et ça, il faut que ça cesse aussi. Ces poursuites sélectives là. Donc il y a la Côte d'Ivoire en fait qui est un problème. Et à côté de la Côte d'Ivoire, on a la Guinée-Conakry notamment, où ouais Guillaume exactement, Guillaume Soro, c'est ça, Guillaume Soro. Et puis de l'autre côté, vous avez en Guinée Alpha Condé. Pour lui, il n'y a même plus à discuter. On sait qu'il veut se maintenir. Et ça a quand même créé pas mal de morts. Je pense qu'il y avait une trentaine de morts au dernier décompte. Si quelques-uns parmi vous connaissent le nombre exact de morts, moi je m'en suis arrêté à 30. Mais vous pouvez, si vous avez des chiffres plus actualisés, me les mettre là. Les gens qui sont victimes de la répression en Guinée-Conakry dans le cadre des manifestations contre le changement, l'amendement des règles constitutionnelles dans ce pays-là. Exactement, exactement. Oui, alors le Burkina, c'est une poudrière aujourd'hui, hein. Et d'ailleurs, depuis 2015, on assiste à une montée en puissance. Depuis qu'on a sorti, comment il s'appelle, l'ancien président, la Blaise Compaoré, on voit de plus en plus une recrudescence des attaques et une recrudescence de la sécurité, jusqu'à ce que le président récemment élu se soit prononcé pour dire en fait aux gens et à Blaise Compaoré de se prononcer contre ça. Hein? Donc vous savez, hein, le fameux président qui est aujourd'hui devenu ivoirien à la faveur de son exfiltration en Côte d'Ivoire. Alors, sur le financement maintenant par l'ONU des opérations de maintien de la paix, le problème en fait c'est celui-là, et c'est ce que disait mon excellent ami Alilou Souleymanou. Le financement par l'ONU des opérations de maintien de la paix de l'Union européenne, de l'Union africaine, mais c'est quelque chose qu'il faut qu'on règle. L'Union africaine ne peut pas être crédible si elle laisse l'ONU, les Nations unies, financer 100% des opérations de maintien de la paix. C'est ça le sujet. Alors, il y a un agenda justement dans lequel ils disent, l'Union africaine, on va financer, nous, 25%. Et donc, les Nations unies disent qu'ils ont besoin de voir quel est le plan qui permet de sécuriser la contribution de l'Union africaine. C'est vous dire quel est le crédit que les Nations unies accordent à l'Union africaine. Il est très faible. Ils considèrent que quand bien même ils accepteraient que l'Union africaine ne soit qu'à 25% du financement des opérations de maintien de la paix, ça ne va pas fonctionner parce qu'ils ne les donneraient pas. Et là-dessus, il faudrait clarifier les positions sur les points de friction et chercher un bon compromis
sur la question du cofinancement des opérations de maintien de la paix qui sont menées par l'Union africaine. Voilà. Et donc, je voulais terminer par là-dessus. Il y a peut-être un petit point avant que je l'oublie, c'est la question de la Somalie. Avant les élections de cette année et de l'année prochaine, les autorités de Mogadiscio doivent améliorer les relations avec les États membres, les États membres fédéraux. Oui, maître, absolument, maître. La Côte d'Ivoire risque d'être la poudrière pour plusieurs raisons, et vous avez raison. Donc, je vais juste faire un petit commentaire dessus. Je sais que vous auriez été. Alors, j'ai essayé tout à l'heure quelque chose. Ce qu'on m'a dit, en fait, que quand je cliquais sur ça, je pense qu'après, en survolant, je devrais pouvoir. Appeler, non, ça marche pas. Bon, j'ai toujours pas trouvé. Alors, hop, je ne sais pas si ça va fonctionner. Alors, je le teste, hein, et puis on verra bien. Je ne sais pas si vous entendez. Allô? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Vous entendez le téléphone sonner ou pas? Je profite de votre présence pour tester quelque chose. J'essaie de tester quelque chose. Allô? Ah, ça n'a pas fonctionné. Bon. Donc, je voulais tester, en fait, la possibilité. Alors, peut-être terminer par... Allô? Allô? Ah, maître, soyez le bienvenu. Ah, très bien. Mais alors, ça veut dire que j'ai trouvé le moyen, et je suis particulièrement content. Ça veut dire que j'ai trouvé le moyen de mettre les gens en live. Ah, mais ça, c'est une très bonne nouvelle. Soyez le bienvenu, maître. Je vous laisse aborder la question de la Côte d'Ivoire. Allez-y. Allô? 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 Est-ce que c'est parti? Non. Ah, si c'est parti, c'est dommage. Si c'est parti, c'est dommage. Je réessaie. Une petite seconde. Et puis, on vérifie ce que ça va donner. Je réessaie. Hein. Voilà, ça me permet... Ah là, parfait. Ah bon, j'étais en train d'appeler. Oui, j'accepte. Allô, maître, vous m'entendez? J'ai décroché. Maître, vous m'entendez? Maître, vous m'entendez? Allô? Bon, c'est pas grave. Je reteste à nouveau et puis on verra bien. Alors, pourquoi je fais ça? Vraiment, vous m'en excuserez, je compte sur votre indulgence. Pourquoi je fais ça? Parce que ça me permettrait de pouvoir, justement, pour les prochains lives, vous donner la parole pendant que nous sommes ensemble. Donc, vous m'accorderez la possibilité de tester. Allez-y, maître. Maître, vous me recevez? Allô? Bon, je crois que ça ne fonctionne pas. Donc, on le testera une autre fois. Ah, mais là, c'est bon? Maître, vous m'entendez? Ok, bon. Alors, je trouve ça un peu dommage. Ah, d'accord, ok, bon, très bien. D'accord.